Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ces rencontres de la bibliothèque. Nous reprenons cette saison en votre compagnie, nous en sommes ravis. Et en compagnie d'auteurs que nous sommes très très honorés de recevoir à Rennes, Louise Erdrich, qui nous fait ce grand plaisir. Louise Erdrich, je devrais le prononcer à l'américaine, non pas à l'allemande. Et Naomi Fontaine. Elles viennent toutes les deux d'Amérique du Nord, de pays différents, mais d'Amérique du Nord. Et c'est grâce au Festival America que peut se dérouler cette rencontre. Son directeur, Francis Geffard, est aussi avec nous aujourd'hui, exceptionnellement. Cette rencontre est organisée aussi avec le soutien amical de l'Institut franco-américain et de l'Université Rennes 2. Elle se tient pour nous, les Champs Libres, dans un double cadre. Tout d'abord, une semaine que nous avons consacrée à la question du vivre ensemble. Ce midi, nous avions un concert d'un chanteur basque. Demain, nous recevrons le cinéaste ethnologue Stéphane Breton. Samedi, nous vous proposerons une rencontre sur la question unité nationale et diversité culturelle avec Emmanuel Todd et Philippe Diribarne. Dimanche, un film sur les os humains. Et mardi, nous terminerons cette semaine par une conférence sur les médecines traditionnelles. Mais aussi et surtout, nous sommes ici ce soir dans le cadre de la rentrée littéraire. Nos deux auteurs ont toutes les deux écrit des livres très récemment. Louise Erdrich sort d'ailleurs deux livres en cette rentrée. Et vous pourrez les retrouver juste après avec la librairie Greenwich qui nous accompagne pour cette belle rencontre. Je me tais tout de suite et je laisse Marie-Hélène Fraissé animer cette rencontre et Catherine Laurent l'interpréter pour Louise. Merci, bonne soirée. Merci Astrid. Bon, écoutez, c'est un plaisir de retrouver cette salle où nous avons vécu de très beaux moments dans le cadre de ces rencontres qui déjà d'ailleurs étaient liées à ce thème de la diversité, des identités. On a eu le plaisir de recevoir un certain nombre de leaders autochtones venus du monde entier. Et aujourd'hui, c'est vrai, je pense que c'est une merveilleuse opportunité, et on remercie beaucoup Francis Geffard, qui est ici au premier rang, une merveilleuse opportunité de comprendre notamment ce que sont les mondes amérindiens. Mais ce n'est pas que ça, car aussi ce soir, nous recevons deux auteurs de tout premier plan. Louise Erdrich, qui est un auteur absolument consacré aux États-Unis. Elle est née dans le Dakota du Nord. Elle vit aujourd'hui à Minneapolis. C'est une auteure majeure aux États-Unis. Et nous allons nous demander comment la question justement de l'identité traverse son œuvre sans la réduire à ça, parce que je crois que c'est aussi un peu un problème pour les auteurs amérindiens ou qui travaillent sur leur identité, c'est qu'on finit toujours par les réduire à ça. Et l'œuvre de Louise Erdrich, pour qui l'a fréquenté un tout petit peu, va bien au-delà de ces questions identitaires. C'est une grande œuvre littéraire de romancière, d'auteur de nouvelles et de poète. C'est vraiment une œuvre de tout premier plan. Mais elle croise, cette œuvre, la question de l'identité. Et puis, à côté de moi se trouve Naomi Fontaine. Naomi Fontaine est aussi une auteure d'origine amérindienne. Elle va nous l'expliquer. Et c'est quelqu'un que nous venons tous de découvrir. On en parlait tout à l'heure avec Francis Geffard. Moi, j'ai lu son livre et j'ai été éblouie. C'est un premier livre. Naomi a 24 ans. Et elle vient d'une autre région, elle vient de la côte nord du Saint-Laurent, de la communauté Innu, qu'on appelait autrefois la communauté montagnaise. Et je trouve très émouvant de voir sur le même plateau ces deux femmes talentueuses qui ont tant de choses à nous dire et dont le message ne va, on va s'en rendre compte, je crois, d'après ce qu'elles vont nous dire, pas du tout se réduire à être un message à caractère uniquement identitaire, bien que c'est pour nous une opportunité de comprendre aussi ces mondes et comment ils fonctionnent, ces sociétés, comment elles fonctionnent. Alors, dans l'immédiat, je vais peut-être leur demander à l'une et à l'autre de nous retracer
quelques éléments de leur vie, puisque, évidemment, on écrit toujours avec sa vie. Après, on en fait quelque chose. Mais peut-être que pour un premier contact, ça serait bien que Louise Erdrich nous raconte un peu ce qui s'est passé dans les premières années de sa vie, et puis ensuite qu'on ait une idée de son parcours. Would you like to start with my babyhood? Oh, wherever you want. Oh, that's a long story. What looks important to you to say? Okay, first, I just want to say thank you to everyone here. Merci beaucoup. Which would be thank you for coming here in the Ojibwe language. My mother is Ojibwe. Now, is she going to translate later as we go on? Okay. My mother is Ojibwe and my father is German. And they gave me this very differentiated, interesting mixed heritage. So when I was a child, I grew up going to the reservation or to the German Metzgermeister. So I had both of these heritages, and I really benefited from them. There were painful things, but also extremely rich pieces of my life. Catherine. Je suppose, Marie-Hélène, que vous ne souhaitez pas que je commence par ma toute prime enfance en tant que bébé. Mais l'histoire de ma vie est longue. Je voulais tout d'abord vous remercier tous et toutes d'être venus ce soir. Pour vous raconter ma vie, en fait, il faut partir de mes parents, de ma mère, qui était une autochtone djibwe, et de mon père, qui était d'origine allemand. Et donc, j'ai bénéficié de cette culture mixte, en quelque sorte. Et en étant enfant, j'ai à la fois vécu dans les réserves autochtones et j'ai vécu au sein des communautés germaniques, germanophones au Canada. Tout ça, ça a été beaucoup de richesse, certes également un petit peu de douleur. Il y avait des choses qui étaient difficiles à vivre, mais ça m'a donné une véritable richesse pour le reste de ma vie. Alors, je propose, Louise, peut-être que géographiquement, on situe les Ojibwe, qu'on appelle parfois Chippewa. Ce sont les cultures des plaines. Ce sont des cultures qui ont rencontré les Français au tout début donc, de la colonisation, entre guillemets, et qui ont noué en particulier des liens extrêmement étroits et spécifiques de collaboration avec les Français, ce qui a d'ailleurs donné naissance aussi à ce qu'on a appelé la nation métisse, qui est une histoire qui, je sais, touche beaucoup Louise Erdrich, qu'on n'aura pas le temps de développer. Donc, le monde Ojibwe, peut-être les principaux aspects. The story begins very close to where Naomi is from, because in our mythology, the Ojibwe migrated from the Salt Sea, from the east, slowly pushed ahead by settlement into the West. So there was a long migration. Donc en fait, notre histoire, l'histoire de ma communauté, commence en quelque sorte très proche de là où est née Naomi, parce que ça a été une migration des rives du Saint-Laurent de l'Est vers l'Ouest. And along the way, many of the Ojibwe communities split off so that in Canada, many Ojibwe reserves, Ningigusi Minikaning, Kuchning, many reserves up in Canada and down into Minnesota in the United States, and then over into North Dakota, where my family is from. But my family traces its way back east, out to the west. Et donc, en fait, la communauté Ojibwe s'est en quelque sorte
de disséminer, scinder et vous trouver des réserves Ojibwe au Canada. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la migration de l'Est vers l'Ouest, vous en avez eu dans l'État du Minnesota aux États-Unis, puis dans l'État du Dakota du Nord, qui est l'État dans lequel ma famille vit. Mais ma famille peut retrouver ses origines beaucoup plus au nord, directement au Canada. Alors, on mesure cette dispersion quand on sait où se trouvent les populations qui parlent cette langue algonquienne, puisque votre langue est parente de celle de Naomi, et on a parfois affaire à des peuples qui sont distants de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, ce qui raconte aussi l'histoire de l'investigation du territoire par des gens qui, au départ, étaient sans doute un tout petit groupe. Yes, and I believe we're both Algonquin-speaking communities, but my particular community began, my family began as trade partners with the French voyageurs who came over and worked with the Hudson Bay Company and then the American Fur Company. And very often, in order to progress in the business of finding the furs and hunting the furs, would marry into the Ojibwe clans and families. So many more French people were turned into Ojibwe than the other way around. Oui, il me semble effectivement que ce sont deux langues qui sont des langues d'origine algonquin. Mais pour vous parler de ma communauté, ou même plus précisément de ma famille, en fait, à l'origine, ce sont des gens qui ont fait du commerce avec ce que l'on appelait les voyageurs français. Donc des Français qui arrivaient sur les territoires du nord des États-Unis et du Canada pour faire du commerce. Vous aviez la compagnie Hudson Bay, vous aviez la compagnie qui s'appelait American Enfin, c'était une société qui était dans le négoce de fourrure. Et pour des raisons strictement d'affaires, de commerce et d'échange, ces Français se sont alliés, ont épousé des femmes de nos communautés. Et en fait, on a vu beaucoup de Français qui devenaient Ojibwe plutôt que l'inverse. Alors, cette dimension amérindienne qui est très présente dans l'œuvre de Louise Erdrich, je voudrais vous poser, Louise, une dernière question avant de donner la parole à Naomi. De quelle manière, comme petite fille, comme adolescente, avez-vous intégré cette idée que vous étiez amérindienne, que vous apparteniez à ce qu'on appelle aujourd'hui les Premières Nations? Comment c'est entré dans l'image que vous aviez de vous-même? À quel signe reconnaissiez-vous ça? Vous sentiez-vous différente? I had a very, very strong mother. So my mother taught me that no matter what, I should have the Ojibwe values. The kindness to strangers, generosity, that I should be an upright person. I mean, she was my role model. So I never felt, I always felt part of my family, my community. But at the same time, I would say in defense of my mother, this has nothing to do with her, but I had a certain self-destructive streak that was not Ojibwe, it was just me, you know. En fait, tout ça, je le dois à ma mère. Alors, en tant que personne, et ça n'a rien à voir avec ma mère, j'ai un petit peu une tendance à l'autodestruction. Mais ma mère était une femme extrêmement forte, qui m'a beaucoup influencée. C'est ce que j'appelle mon modèle. Et elle m'a toujours dit que je devais porter en moi les valeurs de la nation Ojibwe, qui étaient des valeurs de bonté vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'autre, des valeurs de générosité.
Elle m'a toujours dit qu'il fallait que je sache me tenir debout. Et ça, ce sont des valeurs que j'ai intégrées tout de suite et qui donc m'ont permis à tout moment de me sentir membre à part entière de ma communauté. On va continuer un petit peu plus tard avec vous, Louise. Mais maintenant, je voudrais donner la parole à Naomi. Naomi Fontaine est d'une autre génération, 24 ans, jeune maman d'un petit garçon de 3 ans. Et donc, Naomi, j'aimerais que vous nous disiez, vous, de quelle manière vous avez, dans votre communauté, qui donc est la communauté qu'on appelait autrefois cette île, et qu'on appelle aujourd'hui Washat, puisque les noms d'origine, heureusement, ont été remis en vigueur. Alors, comment vous avez-vous pris conscience du fait que vous étiez une jeune Innu? Bonne question. En fait, moi, je suis née dans une réserve, puis j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans dans cette réserve à Washat. Puis on prend pas, je veux dire, tant qu'on est dedans, tant qu'on vit avec des Innus, tant qu'on parle notre langue, puis qu'on voit, on vit dans une réserve, on se pose pas la question comment qu'on est Innu, si on est Innu, qu'est-ce que c'est un Innu, puis ces questions-là, ils sont arrivés plutôt quand j'ai commencé à écrire, quand les gens ont commencé à me questionner là-dessus, puis moi-même je me suis questionnée c'est quoi être Innu. Finalement, je dirais que de ce que je comprends, être Innu, premièrement, c'est appartenir à la culture, c'est appartenir au peuple. Et c'est pas nécessairement aller dans le bois 6 mois par année, c'est pas nécessairement porter des mocassins, c'est pas nécessairement avoir des plumes, même si je me suis mis des plumes. Mais c'est beaucoup plus que ça, être Innu, je crois. Et c'est de connaître son histoire, c'est de savoir qu'on vient de loin, d'un peuple ancien, d'une culture forte qui a survécu à beaucoup, à tout, à l'assimilation. Mais même quand on pense à avant, ça devait être... Ils ont survécu à la forêt, tout ça. Puis quand je pense à mes grands-parents, par exemple, qui savaient tout faire, eux, dans le bois, qui savaient tout... leur savoir était grand comme ça. Fait que quand je pense à mes grands-parents, je sais d'où est-ce que je viens. Je sais, quand je pense à ma mère aussi, moi aussi, j'ai une mère exceptionnelle. Puis, alors, on ne se pose pas... finalement, je me dis, la culture... C'est sûr que la culture de mes grands-parents, elle a changé depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, on porte peut-être moins attention à conserver ces savoirs-là. Peut-être que la langue, même la langue, elle change, l'innu change. Mais... je crois que dans cette évolution-là de la culture, là, toutes les cultures changent de toute manière, mais il y a encore à l'intérieur de nous tout ça, ces valeurs-là aussi qui nous habitent, qui nous viennent de loin, puis c'est cette culture-là riche qui nous appartient, notre histoire aussi. Alors c'est un peu tout ça pour moi, être Innu. Quand j'en ai pris conscience, moi je dirais que c'est en écrivant sur mon peuple, justement, sur les gens que je côtoie, les gens, ma famille, mes grands-parents, tout ça. Alors tout ça, ça fait que j'ai réalisé finalement, c'est qu'on était un peuple distinct de la société des Québécois, mais qu'en même temps, on partage tout plein de trucs aussi avec les Québécois, mais qu'on avait notre culture, une culture propre à nous. Alors dans vos ouvrages, la présence de cette société autour de vous, elle est très prégnante. Dans les ouvrages de Louise Erdrich, c'est une œuvre déjà considérable, 7 ou 8 romans publiés en France, un livre de nouvelles. Donc, je vous dis un mot des livres qui viennent de sortir, que vous aurez la possibilité de vous procurer tout à l'heure. Donc, Louise Erdrich vient de sortir un magnifique roman, Le jeu des ombres, qui est une sorte de huis clos entre un peintre et sa femme. Et la dimension amérindienne est très présente, mais pas seulement. C'est aussi la dimension de la très grande difficulté de loger une passion
à l'intérieur d'une vie et à quel point ça peut devenir destructeur. Mais cette dimension de la société très spécifique amérindienne, Ojibwe autour, est importante. Également, donc, dans ce recueil de nouvelles, La décapotable rouge, c'est un titre qui est donné en fonction de la première de ces nouvelles. Et on voit vivre, alors, d'une histoire à une autre, cette société amérindienne avec ses très grandes difficultés, sa force, sa résilience, son honnêteté aussi par rapport à ses difficultés. Ce sont deux livres absolument bouleversants. Le jeu des ombres, je crois, est vraiment un très grand roman, et c'est pour ça qu'on ne va pas le limiter à un roman identitaire. Et pour Naomi, donc, nous avons un livre qui est votre premier livre, hein, Naomi, je crois, oui, c'est 24 ans, premier livre, qui est un livre très émouvant, qui est... n'est pas un livre de fiction, ce sont des récits, ce sont des portraits. C'est un genre d'ailleurs littéraire qui n'est pas très facile à définir, et peut-être vous allez m'en dire un petit mot. C'est au fond la vie quotidienne à travers un certain nombre de personnages qui vous ont touché, mais vis-à-vis desquels vous êtes tout de même à la fois en tendresse, je dirais, et en distance en même temps. Oui, en fait, c'est des ce livre-là, moi, je me dis qu'il existait déjà, dans le sens que ces gens-là existaient, il fallait juste que je raconte leur histoire. Puis c'est des histoires très courtes, c'est des histoires... c'est pas des nouvelles, c'est pas nécessairement non plus du récit, mais c'est un peu entre les deux, je dirais. C'est un peu poétique aussi, mais c'est pas des poèmes. Puis oui, je pense que c'est... J'ai eu... En écrivant ce livre-là, en fait, moi, j'ai grandi à Québec, dans la ville de Québec. Je n'ai pas vécu depuis l'âge de 7 ans. On a déménagé avec ma mère à Québec. Et moi, j'ai grandi, en fait, dans la société, entourée de Québécois, avec tout ce qui peut avoir de positif, mais aussi des préjugés que les Québécois entretiennent envers les Inuits, envers les Autochtones en général. Des préjugés comme quoi qu'on est des alcooliques, comme quoi qu'on travaille pas, comme quoi que nous on paye pas d'impôts, puis on n'est pas on fait pas partie de la société. En fait, on contribue pas, c'est un peu ça qu'on veut nous dire, on contribue pas à la société. Heureusement, ça tend à changer tout ça, mais ça prend du temps aussi. Mais moi, j'ai grandi avec ces préjugés-là, un peu entourée de ça. Puis moi, je retournais souvent avec ma famille, on allait passer les étés à Ouachat. Puis moi, je me disais, c'est pas vrai ce qu'on dit. C'est pas vrai qu'on est tous des alcooliques. C'est pas vrai qu'il y a que des problèmes sociaux dans ma communauté. Je voyais des belles choses, je voyais des belles valeurs. Je voyais mes grands-parents, j'en parle beaucoup dans mon livre, qui avaient toutes ces connaissances-là. C'était pas des gens qui étaient allés à l'école, mais il y avait tout un savoir qui avait beaucoup de valeur. Puis moi, c'est ce que je me disais. Alors, en écrivant ce livre-là, au début, ce que je voulais, c'était un peu montrer... nos beaux côtés. Je voulais montrer nos belles valeurs, je voulais montrer l'entraide, la générosité, la famille qui est une valeur super importante par chez nous. Je voulais montrer que les enfants rient par chez nous. Je voulais montrer qu'aller dans le bois pour un Inou, c'est important. Il y a quelque chose là-bas qu'il y a la paix, on va chercher la paix, tout ça. C'est ça que je voulais montrer. Et c'est un peu ça, en fait, ce livre-là, au départ, c'était ça. Mais plus j'écrivais ces portraits-là. Parfois, c'est des portraits de paysages, c'est un lieu, c'est une maison. Je décris seulement la maison. Puis c'est un livre très descriptif. Alors, plus j'écrivais, plus je voulais m'attarder aussi à dépeindre quelque chose qui était vrai aussi, de réaliste, pas seulement montrer, regardez comme on est beau, mais à dépeindre quelque chose qui était vrai, que les Inuits pouvaient se reconnaître là-dedans. Puis c'est sûr qu'il y a des réalités là-dedans dont je parle. Je parle entre autres d'un jeune homme qui consomme beaucoup de speed. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le speed. Les amphétamines. OK, oui, c'est ça. Puis finalement, il y a même pas 20 ans, puis le foie tout détruit, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des portraits plus difficiles. Une jeune fille qui tombe enceinte à 15 ans. Mais au travers de ces portraits-là, pareil, je crois qu'il y a de l'espoir. Puis quand les gens de ma communauté ont lu ce livre-là, puis c'est
peut-être le commentaire que j'aime le plus qu'on me dise. Ils m'ont dit, c'est vrai ce que tu as raconté. Ils m'ont dit, on se reconnaît. Ils me disaient, on pourrait quasiment se voir dans ton livre. On est quasiment là-dedans, tu sais, c'est parce que c'est vrai. Puis pour moi, c'était ça ma préoccupation aussi, de dépeindre quelque chose de vrai qui parlait de mon peuple. Alors, je voudrais qu'on en vienne, puisque vous êtes deux femmes, deux écrivaines, à quelque chose qui est peut-être un cliché, je ne sais pas, vous allez nous le dire, et qui concerne les femmes amérindiennes. Les sociétés de toutes les Amériques sont réputées avoir des fortes femmes, avoir été des sociétés matriarcales, et c'est vrai que dans le domaine de la création, les femmes sont très représentées. Alors, est-ce que c'est un cliché? Est-ce qu'il y a une forme de courage face au choc culturel qu'ont traversé plusieurs générations, une sorte de courage qu'ont mieux assumé les femmes? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Louise? Well, I think that it's been said by this is almost a general statement of various tribes. A people is not broken until the hearts of its women are on the ground. So I can't say that the women are stronger. So many strong men have been role models for me, and many of my teachers have been strong men, my father included. But my grandfather, as an Ojibwe, he was the tribal chairman or the leader of the tribe, Turtle Mountain Band of Ojibwe. And he fought very hard in Washington, D.C. to hold the United States government to its treaty with our tribal nation. So I can't say who is, you know, I have both examples. My extraordinarily strong mother, like Naomi, we both have very forceful mothers. But I've seen examples of extreme self-sacrifice by men as well. On dit très souvent, il y a ce dicton qui dit, et c'est un dicton qui court dans toutes les populations autochtones en Amérique, qu'un peuple n'est jamais brisé avant que l'on ait réussi à briser le cœur de ses femmes. Donc effectivement, les femmes sont très fortes dans nos communautés, mais n'allons pas dire que les hommes ne sont pas forts. Les hommes sont forts et j'ai eu autour de moi énormément d'exemples d'hommes très forts. Mon père, mes professeurs, mon grand-père était un chef de la nation Ojibwe et c'est un homme qui est allé se battre à Washington au niveau du Congrès, au niveau du gouvernement, pour obliger le gouvernement américain à respecter les traités qu'il avait signés avec mon peuple et avec ma nation. Donc j'ai des exemples des deux côtés. J'ai des exemples de femmes très fortes comme ma mère, qui comme la maman de Naomi était une femme extrêmement forte, et des exemples de sacrifices qu'ont consenti certains hommes pour notre communauté. Alors Naomi, vous avez parlé tout à l'heure de votre grand-mère. D'ailleurs, vous donnez son nom, puisque vous donnez un certain nombre de noms en langue innu. Les grand-mères, elles ont un joli nom, j'ai oublié. Vous allez nous dire comment on les appelle chez vous. C'est Tchogomno. Tchogomno? Tchogomno, oui. Puis ça veut dire, c'est pas ma grand-mère, c'est notre grand-mère. Ça veut dire... C'est la grand-mère de tout le monde. Ben, c'est drôle, parce que c'est ça. Moi, j'écris aussi, je dis, on appelait ma grand-mère Tchogomno comme si c'était la grand-mère de tout le monde. Mais c'est un peu ça aussi, je pense. Les vieilles madames, les vieilles femmes, sont habituées d'avoir beaucoup de monde, beaucoup d'enfants autour d'elles. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre, à un moment, avec amertume, du fait que beaucoup... de vos amis et amies ont à déplorer d'avoir, par exemple, une maman qui boit. Vous parlez de ça en des termes extrêmement émouvants, parce que c'est une chose qu'on a du mal à dire. Et vous la dites, parce qu'il faut aussi la dire. Et le sentiment que j'ai en lisant votre livre, et on a souvent ce sentiment
dans la littérature Native American, qu'il y a une sorte de génération vraiment prise en sandwich qui a plus souffert que les autres. Je dirais que c'est la génération peut-être de vos parents, peut-être des parents de Louise. Il y a toujours une référence aux anciens comme les piliers de la société. Est-ce que vous avez vu ça comme ça dans votre vie à vous? Oui, ben quand je pense à la génération de mes parents, mais de ma mère, mais un peu plus vieux, mettons il y a 50, 60 ans, ben c'était les pensionnats qu'il y avait par chez nous. Puis les pensionnats, c'était les enfants passaient 10 mois par année dans un pensionnat, puis le but, c'était clairement l'assimilation. Les Inuits pouvaient pas, les jeunes enfants pouvaient pas parler leur langue. S'ils parlaient leur langue, on les frappait. Il y a eu beaucoup d'histoires d'abus. Et ça, c'est récemment que les gens ont commencé à parler de ça. À Québec, au Canada, il y a eu des excuses publiques du premier ministre il y a peut-être 3 ans de ça, mais c'est quelque chose qui a duré peut-être 3-4 décennies. Puis on, tous les abus qu'il y a eu, toute cette, aussi le fait que les parents élevaient pas leurs, étaient pas avec leurs enfants, pouvaient pas élever leurs enfants, les parents allaient dans le bois. Puis il y a comme une brisure, moi, j'ai l'impression, à ce moment-là, quand il n'y a plus le contact de la mère qui élève son enfant, du père qui s'occupe que tout le monde aille tout ce qu'il lui faut. Puis moi, j'ai l'impression que c'est ce choc-là un peu qui puis après, c'est bien beau, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, tout ça, il n'y avait pas d'éducation encore, l'éducation elle a commencé comme ça en fait dans les pensionnats. Puis il y a comme eu une génération qui était en colère, premièrement contre les Blancs, qui avait tout à fait le droit d'être en colère, peut-être pas contre les Blancs, mais contre ce que le gouvernement faisait subir, ce que la religion a fait subir aussi. Fait qu'il y a comme une génération qui était en colère, qui se taisait aussi, qui n'était pas capable de raconter ce qui s'était passé. Puis, ben c'est sûr que quand tu as un parent qui est en colère, qui a de quoi, qui est blessé, qui n'est pas capable d'en parler, ben la génération d'après, elle en souffre. Puis, c'est un peu plus vieux que ma mère. Mais ma mère, elle n'a pas vécu ça, les pensionnats. Fait que ma mère, déjà, elle n'avait pas comme cette colère-là. C'est sûr que ça se transmet un peu, mais c'est beaucoup moins, à chaud, là, je ne sais pas comment le dire autrement. Puis, puis ma génération, à moi, quand je vois les jeunes de ma génération, on est beaucoup plus ouverts. Vraiment, on est plus, on va à l'école, on veut étudier, on veut avoir des emplois, on veut travailler, on veut, ça nous dérange pas de partir de la communauté. Avant, c'était vraiment une réserve, ça le dit très bien, c'était fermé, c'était la mentalité aussi était cloisonnée. Mais aujourd'hui, c'est autre chose, c'est ça. Moi, le fait aussi que j'ai peut-être pas grandi dans la réserve, tout ça, mais je le vois aussi à travers les jeunes de mon âge, qu'on est plus ouvert, on veut voyager, on veut apprendre d'autres langues, tout ça. Fait que pour moi, c'est un peu ça, comment que je comprends les difficultés qu'il y a encore aujourd'hui. Puis mais de plus en plus, plus on va être ouvert à l'autre, j'ai l'impression, mieux ça va être. Alors, en allant se frotter au monde extérieur, donc comme vous avez fait toutes les deux, en acquérant l'éducation, on arrive à avoir un regard différent sur sa communauté, parfois effectivement en allant consulter les anciens et en créant des œuvres comme vous le faites. Et du coup, moi j'aurais envie de retourner les choses et de vous dire... au fond, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de transmettre au monde, entre guillemets, blanc, comme une valeur essentielle de votre formation, de vos familles, et que vous voudriez nous communiquer? C'est-à-dire, parce que moi, je vous avoue que le sentiment que j'ai eu en allant dans les communautés amérindiennes, c'est que certes, c'était des communautés souvent brisées, avec beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes familiaux, mais il y avait quelque chose de très émouvant
c'était d'abord que ce sont des sociétés où on ne laisse jamais quelqu'un tomber. C'est-à-dire quelqu'un qui est dysfonctionnel, quelqu'un qui même a commis des actes terribles, cette personne n'est jamais abandonnée. Il y a une solidarité, un sens du partage. Il me semble que ça fait peut-être partie des choses que l'on découvre. Alors, est-ce que vous, donc, vous avez à nous dire des choses éventuellement critiques, éventuellement dures, par rapport à la société blanche, entre guillemets, à laquelle vous appartenez aussi, des valeurs donc amérindiennes sur lesquelles vous voudriez vous prononcer, que vous voudriez communiquer, Louise? I think to begin with, what you're saying about nobody being left behind, nobody being left beside the road, is one of the most intensely held values, and it permeates all of Native culture, and that is kindness. And the elders that I know embody this spirit of kindness. I've always been so moved by the warmth and kindness of the elders that have been around me and in my life. But I think that goes farther, and it has to go farther in a more universal sense. If we look back many generations now, we see that our ancestors, the people who lived very close to this earth, really never destroyed the earth. They had to depend on the earth. We've lost this now, and even our native communities we waste so much. But if we look back, we know there is a prediction that the seventh generation will return to that value, because otherwise we're going to undergo a severe change of climate, a severe change that will destroy human life. The earth will go on, but the earth can shrug us off. And our ancestors and many of our elders have always understood that. The place on the earth is a very humble place. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsque vous disiez que l'une de nos valeurs, enfin ce que vous aviez vu chez nous, c'est que jamais personne n'était laissé sur le bord de la route. Et pour moi, c'est sans doute l'une des valeurs les plus importantes que nous portons. Et cela revient à ce que je vous disais sur cette valeur de bonté. Nos anciens incarne pour moi cet esprit de bonté. Je suis très très émue lorsque je repense aux anciens qui côtoient ma vie, qui sont autour de moi, et lorsque je constate à quel point ils incarnent cette valeur de bonté. Mais au-delà de cela, j'aimerais aborder un point sans doute plus universel. Nos ancêtres étaient des hommes et des femmes qui étaient proches de la terre, qui jamais ne se seraient permis d'abîmer la terre parce qu'ils dépendaient de la terre, ils vivaient de la terre. Et ça, c'est une valeur qu'on a perdue. Mais même nous, au sein de nos communautés, c'est une valeur que l'on est en train de perdre ou qu'on a perdue. On gaspille beaucoup. Et il y a une prédiction qui dit, dans nos communautés, que la septième génération sera contrainte de revenir à cette valeur parce qu'autrement, la terre va vivre de tels changements, de changements climatiques et autres changements, que cela va mener à l'extinction de la race humaine. La Terre va continuer, pas de problème, mais la Terre va finir par se débarrasser de nous. Donc, voilà, c'est cette valeur de respect de la Terre que je souhaitais partager. Alors, pour vous, Naomi, la mise en comparaison des deux mondes, entre guillemets, puisque ce ne sont pas deux mondes totalement séparés, mais de quelle manière ça peut vous avoir amené à vous repositionner par rapport à vos propres valeurs d'origine? Oui. Ben en fait, moi, quelque chose
que je vois beaucoup dans ma communauté, mais qui est une valeur très, très ancienne quand on pense à l'arrivée des Français en Amérique. Moi, je dirais le partage. Le partage, c'est une valeur fondamentale, je veux dire, dans une communauté. S'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas le souci de l'autre, on ne survit pas seul dans le bois, c'est impossible. Puis au départ, il y avait ce partage-là entre les Français, les Inuits. Sinon, ils disent qu'ils n'auraient pas pu survivre au Canada, tellement l'hiver, tellement la nature là-bas, c'est pas comme ici. Puis quand je pense à ça aujourd'hui, comment cette valeur-là peut être mise à profit, bien, moi, je dirais que ce serait dans nos partages des idées. On a des valeurs très fortes. Les Québécois ont des valeurs très fortes, les autres ont des valeurs très fortes, mais je veux dire, si on pouvait arriver à partager nos idées, nos manières de concevoir, par exemple, je pense à l'environnement, c'est sûr que c'est une préoccupation aussi, mais nous, au Québec, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations dans le Nord, dans le Grand Nord, puis si on était capable de partager nos conceptions face à ça, c'est sûr que nous, en tant qu'Inuits, au début, on veut protéger notre territoire, ce qu'on appelle notre Sinan, mais au-delà de ça, nous aussi, on veut faire partie de la modernité. Nous aussi, on veut prendre. Nous aussi, on voudrait que notre nation soit riche. On veut exploiter, c'est certain, d'une manière. Mais il y a une manière de faire les choses. On peut plus aujourd'hui dire, OK, on touche à rien, puis on laisse la forêt intacte. Je pense pas. Mais il y a une manière de le faire. Puis si nos dirigeants pouvaient se parler puis essayer de prendre à profit nos savoirs, notre connaissance de la forêt, notre connaissance du territoire. Je pense que dans ce genre de partage-là, ce serait ça qui serait gagnant. Puis comme ça l'a été au départ, finalement, c'était ça au départ, le partage. Puis moi, je crois que c'est une valeur qui est encore profondément ancrée en nous. Quand on pense justement au fait que vous disiez qu'il n'y a personne qu'on va laisser dans la merde, c'est sûr, on est trop une communauté, c'est petit, c'est uni, c'est tout ça, c'est ça. Alors c'est vrai que de fait, il y a eu une dépossession, c'est indéniable, l'histoire nous le dit. Cette dépossession, elle a été facilitée par le fait que, puisque vous êtes de deux peuple algonquien nomade, cette dépossession a été facilitée par le nomadisme, puisqu'il est toujours, et on le sait dans beaucoup d'autres cas, les Touaregs, il est très facile de déposséder, au regard des catégories actuelles, un peuple nomade, puisqu'il n'a pas de titre de propriété, il a des habitudes, il a des cycles migratoires, et évidemment, la loi international, un peu à ce moment-là, ou national, s'empare de ce fait pour dire il n'y a pas de titre de propriété, donc moi, venu de l'extérieur, je m'installe. Donc il y a eu toutes ces luttes territoriales. Mais ce que je voudrais, puisque vous êtes deux écrivaines, vous êtes deux artistes, c'est que vous nous disiez si finalement votre travail d'écrivain est traversé ou non par un sentiment d'amertume. Ou de ressentiment. Well, in the beginning, I'd just like to differentiate. I think that in Canada, the relationship with the government is different from the United States, and in Canada, the underpinning is Aboriginal rights. Correct. I mean, it is very different from the United States reservations and tribal nations. Our legal underpinning is that we made government-to-government treaties. So in the beginning, the United States government treated Native governments as equals. So we were equals under the law in the beginning. So the sense
of, I wouldn't say bitterness, but it is a sense of deep injustice. The treaties are not kept on one side, and yet they're kept by the Native people. Native people have kept these treaties, and the U.S. government has seen Native people grow more and more powerless, so they have not felt the need to keep the treaties. So that has been the primary goal, keep the treaties. But is my work informed by a sense of, I would say that it's more informed by a sense of energy that, and I feel that the word has the power to persuade and the power to make our people, our communities real to a larger society. So that people look and say, you are, you know, there's a commonality, you're real. Therefore, you should not be treated with injustice. You should be treated like I would want to be treated. So that is my goal, is really to make human reality a part of the universal language, and to use humor and passion and joy and every sorrow available to the human heart, apparent in my books, so that we all can share those things. Avant de répondre à votre question, je voulais simplement souligner le fait que les relations entre les communautés autochtones et le gouvernement canadien sont totalement différentes des relations entre les communautés autochtones et le gouvernement américain, parce que au départ, des relations entre le gouvernement américain et les communautés indiennes américaines, enfin amérindiennes, il y avait des traités qui étaient signés entre deux gouvernements. Vous aviez le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la tribu qui signait un traité. Donc vous aviez au départ une relation sur un pied d'égalité, de gouvernement à gouvernement, de nation à nation. De nation à nation. Et puis petit à petit, il y a une des parties qui a commencé à honorer sa signature. Et c'est le gouvernement américain qui, constatant que petit à petit, la puissance des populations amérindiennes déclinait, ne s'est pas senti obligé de respecter sa parole. Donc je ne dirais pas que mon œuvre est traversée par un sentiment d'amertume. En revanche, elle est traversée par un sentiment d'injustice, parce que nous avons été traités de manière injuste. Et j'ai tendance à dire que mon œuvre est influencée et traversée par une énergie, parce que je veux que mon œuvre puisse persuader ma communauté, lui faire prendre conscience de l'injustice dont elle a été victime. Et là, je vais utiliser tous les ressorts qui sont à ma disposition, l'humour, tous les ressorts de la langue, pour lui faire prendre conscience de cela et pour lui permettre de ne pas accepter cette injustice. Et ce que je veux faire dans mon œuvre, c'est utiliser la réalité humaine et l'utiliser comme une langue universelle. Alors Naomi, justement, au début de votre livre, vous expliquez que donc ce livre s'appelle, je ne l'ai pas encore dit, Kwesipan, qui veut dire dans votre langue « à toi », c'est ça, c'est la traduction. Et donc, vous expliquez dans les premiers mots « j'ai inventé des vies ». Vous parlez de l'homme au tambour. L'homme au tambour ne m'a jamais parlé de lui. Je ne veux pas dénaturer les choses. C'est-à-dire, j'ai créé un monde faux, dites-vous. Vous ne voulez pas l'enjoliver. C'est-à-dire que vous êtes dans une démarche d'écrivain qui sait que les mots vont avoir du pouvoir, mais que vous ne pouvez pas prétendre à la vérité. Donc, par rapport à cette situation, peut-être d'amertume, donc je vous pose la même question, quelle va être la fonction du langage et de l'écriture face au monde extérieur et face aussi à vos propres communautés? Ben, je dirais que je crois pas que je suis amère ce qui s'est passé. Oui, c'est sûr, l'histoire, on nous raconte une histoire où souvent, nous, les communautés autochtones au Québec, on n'existe presque pas. Puis en dehors de ça, on constate quand
on s'intéresse un peu à l'histoire, que l'histoire, comme Louise Edrick a dit, c'est toutes sortes de formes d'injustice, puis d'abus, tout ça, d'abus de pouvoir, tout ça. Puis c'est sûr que je crois qu'on peut être amer envers l'histoire, mais dans mon livre, je ne pense pas qu'il y ait de l'amertume aussi, parce que dans mon livre, c'était pas... Il n'y a pas de solution dans mon livre. Il y a pas de, je ne dis pas « Ah, c'est ça qui aurait dû se passer » ou « Ah, c'est la faute de lui ». Il n'y a pas de victime dans mon livre non plus. Puis il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas le méchant et le gentil indien. Il y a un état des choses et une complexité des choses, en fait. C'est ça, c'est l'état des choses. Et une tendresse aussi. Comme une très grande tendresse. Ouais. Comme je les vois, moi, avec mes yeux, sans doute avec de la tendresse, parce que j'aime mon peuple, j'aime ma famille, j'aime le lieu où je suis née. Mais c'est ça, c'est vraiment dans l'état des choses. Puis c'est sûr que je dis, j'ai créé un monde faux. Ça, j'ai écrit ça au début en me disant que jusqu'à où je vais être capable de décrire les choses, la réalité, jusqu'à où je souffrirai pas en écrivant ça. Puis je voulais pas souffrir, puis parce que dans le sens où quand on s'approche trop des fois du malheur, de la misère, des choses qui font mal, puis surtout que je parle de ma famille, je parle de mes amis, je parle des gens que je connais. Fait que tout ça, ça c'est sûr que je voulais pas trop foncer là-dedans. Je voulais y aller doucement. Puis c'est ça. Fait qu'il y a pas d'amertume. Puis ça, c'est quelque chose que ma mère, elle m'a dit en lisant le livre. Elle dit, moi, je l'aime ton livre parce que t'es pas en colère. Souvent, on en lit des auteurs inoues, ben pas souvent, mais je veux dire, il y en a qui écrivent avec de la colère, qui écrivent... comme justement, c'est on met la faute sur quelqu'un. Tu sais, si c'est ça qui se passe dans les réserves, ben c'est la faute des Blancs, des trucs comme ça. On en entend, puis on entend aussi ça dans nos communautés. Les gens parlent comme ça. Mais je pense que non, je pense que je voulais juste dire qui on était sans un jour peut-être que j'écrirai un livre plus tourné vers l'histoire, un peu plus tourné vers les ancêtres, tout ça. Peut-être que là, il y aura toutes sortes d'émotions différentes qui viendront. Mais moi, je suis profondément fière de d'où je viens. Je suis profondément fière de parler ma langue, de savoir que mes ancêtres, ils se sont battus contre l'assimilation, de savoir que la culture, elle était tellement forte qu'ils n'ont pas pu l'éteindre. Fait que pour moi, ce livre-là, c'est beaucoup plus une fierté, la fierté d'être ce que je suis. Alors, il y a une dimension qui est très présente dans l'œuvre de Louise Erdrich dans les nouvelles et qui est moins présente dans le roman, Le jeu des ombres, qui est donc le huis clos de ce couple extrêmement tendu et absolument fascinant parce qu'on voit petit à petit les choses se déliter. Mais dans le recueil de nouvelles, La décapotable rouge, en particulier dans la première nouvelle, moi je vois une espèce d'humour sombre mais profondément tendre. Il s'agit donc d'une histoire, enfin on n'a pas vraiment le temps de la développer, mais deux garçons très liés, deux frères d'ailleurs, je crois qu'ils sont, frères, ou cousins, je ne me souviens plus, sont en possession d'une magnifique voiture, parce qu'il y en a un qui gagne beaucoup d'argent, et il achète une magnifique décapotable rouge. Et puis, l'un des deux part pour la guerre du Vietnam et revient totalement brisé. Et cette décapotable rouge est au fond le symbole de cette vie heureuse qu'ils ont vécue en garçon insouciant. Et comme l'un des deux revient totalement brisé, l'autre ne sait pas quoi faire pour lui rendre le goût à la vie. Et il sait que cette voiture est très importante pour lui, qu'il tient à cette voiture, donc il la détruit en partie pour que l'autre ait un but, c'est de la reconstruire, la restaurer, la réparer, ce qui est évidemment une image de sa propre réparation. Mais il y a dans cette histoire-là une espèce d'humour terrible qui passe à travers cette tendresse entre ces deux mecs et ce trait d'humour, ce courant, ce fil rouge d'humour. Louise Erdrich, il est très présent aussi dans votre œuvre. Donc, et il est présent dans l'œuvre de beaucoup d'auteurs amérindiens. Je pense à Sherman Alexie, je pense à ce ressort essentiel. Bon, on a dit que c'est un couteau sans lame et qui n'aurait pas de manche, et que c'est l'arme pour combattre le désespoir aussi. And to fight despair.
I bet if Naomi and I talked about what we've experienced in gatherings with our families, it would be mostly laughter. That the image of the stoic native person wouldn't appear. And the laughter, the humor is sometimes that sharp humor you describe, but I'd say more often it's self-directed among people to allow ourselves the freedom to laugh with one another. To have, when you can laugh, there's a certain freedom, and there's a cultural freedom in laughter. So it's survival humor, but it's a way of freeing the spirit, I think. Si Naomi et moi vous racontions les réunions de famille que nous vivons, on ne pourrait vous parler que des rires. Ce ne serait pas le cliché de l'Amérindien stoïque que vous avez peut-être en tête. Non, c'est des réunions où on rit, où on pratique l'autodérision, parce que c'est un rire qui est un rire de liberté. C'est une liberté culturelle. C'est le rire qui nous permet de vivre, en quelque sorte. Et quand vous écrivez, dans votre travail d'écrivain, vous êtes consciente de ce ressort. Dans vos nouvelles, vous maniez l'humour comme quelque chose qui vous est consubstantiel ou vous le ressentez comme un moyen d'enrichir votre propos. Je veux dire, est-ce que c'est tellement à l'intérieur de vous que ça sort ou est-ce que c'est un véritable outil littéraire pour vous? I have to write something funny. Or I will collapse. And it's very writing something funny is very difficult. Mm-hmm. But if I don't do it, then I might be overwhelmed by sorrow. And as we say, the truth wouldn't be there because there's so much humor within our culture. Within the culture, there's so much laughter and teasing, a lot of teasing back and forth. So I don't really think about it, but I need it. It's my need too, as a writer, to make myself laugh. En fait, quand j'écris, il faut absolument que je mette de l'humour, sinon je m'effondre. Tout simplement, je m'effondre. Ceci étant, c'est très très difficile d'écrire avec cet humour. Mais si je ne me faisais pas rire, d'abord je serais très triste et ensuite je ne serais pas en vérité par rapport à mon peuple, par rapport à ma nation. Parce que comme je vous le disais, l'humour, le rire, ça fait partie de notre culture. Donc c'est vrai que j'écris que l'humour est présent, est un des ressorts de mon écriture, mais parce que c'est véritablement un besoin. Alors justement, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que bon, on a d'un côté l'image du fier indien, et c'est vrai que cette dimension de fierté est très importante dans les cultures amérindiennes. Mais par contre, il y a quelque chose qui est férocement combattu, et ça a à voir aussi avec ce principe d'égalité et de partage dont on parlait tout à l'heure, c'est la vanité. Un personnage vaniteux n'a pratiquement pas droit de citer dans les sociétés amérindiennes, et ça, moi, il me semble qu'on pourrait en prendre de la graine un petit peu. Trop d'accumulation, par exemple, trop d'égoïsme est immédiatement stigmatisé. Alors peut-être Naomi là-dessus. Ben moi, je dirais qu'il y a une belle qualité que je vois chez les gens chez nous. C'est que c'est des gens vrais, c'est des gens qui sont, je ne dis pas qu'ils sont 100% honnêtes à tous les jours, mais c'est des gens qui sont proches de ce qu'ils sont réellement, qui sont proches de leurs émotions, qui sont proches de ce qu'ils sont. Puis je pense que
quand on essaie, quand l'apparence, la parure est moins importante, ben c'est là qu'on peut se laisser aller. Le rire, moi je suis d'accord avec Louise, le rire c'est tellement, c'est vraiment présent, c'est important, l'autodérision, tout ça. Puis oui, puis je pense que ce qui permet ça, c'est comme vous dites, quelqu'un de vaniteux, quelqu'un qui va se pavaner, c'est pas des choses que nous on regarde puis on se dit ah il est beau lui, non, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on est plus sceptique ou ben on a plus de, comment je pourrais dire, de doute envers cette personne là, on va pas aller vers ces gens là, on va aller vers les gens plus simples, plus qui sont eux-mêmes, c'est ça, que c'est des choses qui nous attirent plus, je crois. Alors Louise, dans vos nouvelles, d'ailleurs, on voit apparaître des personnages comme ça, de fanfarons, vaniteux, dont tout le monde se moque finalement. Put your mic. Oh, sorry. If somebody's showing off, as Naomi was just saying, then they become the object of they're the funniest people. They become the object of the humor. Yeah. It goes way back to Nana Boujou, and it probably is the same sort of trickster culture hero in the very old tales. Nana Boujou is a wise, but sort of a wise fool who takes many different forms and sometimes is very self-important, but always does something really foolish to bring himself down. And that's very typical. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Naomi. Et c'est vrai qu'un vaniteux chez nous, quelqu'un qui se la joue un petit peu quand même, eh bien, il devient tout de suite l'objet de dérision et tout le monde se moque de lui, c'est évident. Mais ça remonte à très très loin. Ça remonte aux contes que l'on se raconte de génération, qu'on se transmet de génération en génération. Et dans les contes traditionnels chez nous, vous avez ce personnage qu'on appelle Nawabashu, qui est à la fois un fou et un sage. Et à chaque fois, et il s'incarne en différentes personnes au fur et à mesure des contes. Et à chaque fois qu'il s'incarne en une personne qui se prend très au sérieux, à la fin du conte, il réussit à se faire trébucher et à être un petit peu ridicule, à revenir directement au niveau du sol pour qu'on puisse en rire. Alors c'est vrai que c'est très très présent dans toutes les sociétés amérindiennes, ce personnage qu'on a appelé le trickster. Alors c'est le corbeau, le trickster, le décepteur, et c'est un peu renard chez nous. Celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui fait ce qu'on ne devrait pas faire, mais qui doit s'en repentir parce qu'il est puni. Enfin, c'est un personnage très complexe qu'on retrouve partout. Et parfois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la figure de l'artiste aussi. C'est celui qui dépasse les limites, celui qui cherche là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Et d'ailleurs, ce Nanuju, Louise, chez vous, parce qu'en général, c'est un animal, quel animal est-ce dans la tradition Ojibwa ? C'est un coyote ? C'est un, parce que c'est, ici, c'est le carcajou, là, c'est le coyote, ailleurs, c'est le corbeau. Il y a d'autres... Quel animal est-ce chez vous ? Et est-ce un animal ? Nanuju is... It takes many different forms and is sometimes an animal, sometimes a form of weather, and sometimes in different cultures, the raven, the crow. You know, all of these animals that the coyote very much is seen as a Nanuju character. But Nanuju, I think, is really almost too big to be contained in one form, because the personage who builds themselves up and then is brought down again really is an archetype of human nature.
So this translates, as you say, into all cultures. Many of the traditional stories really translate across culture into every, really into the human condition. En fait, c'est un personnage beaucoup trop grand pour n'avoir qu'une seule forme, et il en a beaucoup. Il peut être un animal. Alors c'est vrai que dans la série des animaux, les animaux les plus traditionnels vont être le corbeau ou le coyote, très souvent sous cette forme-là. Mais ça peut aussi être une condition climatique, tout simplement. C'est un personnage qui est beaucoup trop grand et qui est en fait un peu archétypal de la nature et de la condition humaine. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce personnage dans différentes civilisations et différentes traditions orales ou de contes. I should say also that this personage is also a great teacher and a great healer. It brought medicine and brought wisdom to. Ce personnage a aussi une fonction d'éducation et la fonction de soigner. Et il apporte différents médicaments et différents remèdes, plutôt que médicaments d'ailleurs, différents remèdes aux maux de la société ou aux maux des hommes. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'écrivains qui se sont déclarés eux-mêmes comme tricksters. Hein. Et justement, il y en a un dans la tradition Ojibwa. Alors le trickster, bon, c'est un énorme sujet, c'est passionnant. Et ça a à voir vraiment avec les forces agissantes spirituelles. Est-ce que ce n'est pas là, profondément, que se font les vrais échanges d'une identité à une autre, même en relativisant ce mot d'identité, mais pour au moins comprendre deux ou trois choses les uns des autres. Ben moi, je dirais que si on a choisi d'écrire, si on a choisi les mots, c'est nécessairement pour nous notre meilleure façon de le faire. Je ne dirais pas que c'est la meilleure façon de le faire. Il y a toutes sortes de formes d'art magnifiques qui expriment beaucoup, qui expriment. Mais moi, c'était la manière que j'ai trouvée que je pouvais prendre la parole puis parler de ces choses-là que j'ai le goût de parler. Puis c'est sûr que c'est ma préférée à moi. Puis c'est sûr que moi, je lis, j'aime lire comme j'aime écrire. Mais je crois que oui, c'est quelque chose qui me convient. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. Ben moi, j'écris, puis on écrit, je dirais. Oui, avec cette jolie expression « prendre la parole ». Vous aussi, Louise Erdrich, vous êtes traversée par cette nécessité de prendre la parole, comme on prend le bâton de parole. Oh, I really think that the novel is always being dying off. Every time you hear about it, it's over, it's done. And yet it continues to reach people through this very intimate medium. And the reason I choose words is not only because this is what came to me naturally, but because literature reached me into my being. And with a paperback novel, you have the perfect technology. You don't need a power source. You don't need a performance. You can be alone with your book anywhere you choose. So for me, it's writing. That's what brings me into contact with another human being. I believe it's very powerful. Vous savez, tout le monde dit du roman qu'il se meurt, qu'il est en train de disparaître. On dit ça depuis très très longtemps, mais en fait, à chaque fois, le roman survit et réussit à atteindre toujours de nouvelles personnes. Moi, j'ai choisi la littérature, j'ai choisi l'écriture, ou plutôt c'est l'écriture et la littérature qui m'a choisi. J'ai le sentiment que quand on a un livre de poche, on a un concentré de technologie. C'est l'outil parfait. On n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin d'une scène. On peut être tout seul dans son coin. Et c'est le meilleur moyen pour entrer en communication avec les autres. Merci à vous. Et merci à nos deux invités. Merci beaucoup. Merci.